Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la seconde partie de l'installation de la décoration d'automne puisque la semaine dernière j'ai décoré le salon, notre pièce à vivre et aujourd'hui je vais commencer à décorer la cuisine. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement, à faire comme moi et à prendre une petite boisson chaude éventuellement et puis sans plus attendre, c'est parti, on commence. Alors, avant de tout installer, il va y avoir un petit peu de changement par ici, car nous avons acheté une nouvelle étagère et on va l'accrocher au mur juste ici. Évidemment, à cause de la lampe, ce n'était pas évident de trouver quelque chose qui me plaisait aux bonnes dimensions, mais j'ai fini par craquer sur une étagère blanche de chez IKEA. Comme ça, elle s'intégrera bien au reste de la cuisine, dont les meubles viennent aussi de chez IKEA. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et sachez qu'il y a plusieurs formats de disponibles. Nous, on a acheté l'étagère avec la dimension la plus petite qui fait 50 cm de longueur. Mon but, c'était d'avoir à la fois un espace supplémentaire pour y poser des choses, mais aussi pour apporter une petite touche cottage et un peu d'intérêt à ce mur. Donc voilà le résultat, je suis super contente d'avoir cette nouvelle étagère où je vais pouvoir disposer de la décoration toute l'année. Et bien sûr, en cette période automnale, je vais la décorer pour la saison. Comme vous l'avez vu, il y a des crochets, donc j'ai ressorti tous les mugs et tasses d'automne. Normalement, ils sont rangés tout en haut d'un placard assez inaccessible au quotidien, donc je suis ravie de les retrouver. Surtout en ce moment, avec les températures qui ont baissé, c'est un réel plaisir de se préparer des boissons chaudes. Alors, j'ai une toute petite collection par choix car j'essaie de ne pas trop accumuler, même si je l'avoue, c'est dur de résister et de ne pas craquer sur de nouveaux jolis mugs. J'en ai aussi quelques-uns pour Halloween, mais ceux-là, je les sors au mois d'octobre. Alors, pour décorer ce nouvel espace, j'ai choisi de ressortir un vieux livre de cuisine, enfin pas si vieux que ça, mais ça fait des années qu'on me l'a offert, il est vraiment très beau. Malheureusement, il y a des recettes que je ne fais plus puisque maintenant je suis végétarienne, mais ça reste un plaisir de le feuilleter parce qu'il est magnifique. Il y a quelques années, je prenais beaucoup de plaisir à acheter des livres de cuisine, puis les feuilleter régulièrement à la recherche d'une recette originale. Je le fais un petit peu moins à présent, mais si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les partager. Sur l'étagère, c'est vraiment l'endroit parfait pour mettre à l'honneur cette jolie théière renard. Je l'aime tellement, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Sur les petits crochets, j'ai mis aussi à l'honneur deux des mugs de Caro From Woodland, une créatrice dont j'apprécie le travail depuis des années. Une autre créatrice que j'aime beaucoup, c'est Iris Esther Vering. Elle est néerlandaise et elle est spécialisée dans les illustrations qui représentent la forêt et les animaux, un univers tout doux et empreint de magie de l'enfance. Et je lui avais acheté un calendrier perpétuel. Et j'ai décidé de prendre certaines des illustrations qui sont présentes à l'intérieur pour les encadrer. Alors je sais que certains penseront que c'est dommage de découper dans le calendrier. Je m'attends d'ailleurs à avoir des messages dans ce sens. Mais je sais que j'apprécierai les illustrations tout autant et peut-être même plus que sous format calendrier. Baby, I'm stuck with a half.
À présent, je vais ranger tous les mugs et les tasses dans le placard et je vais m'occuper de décorer ce petit coin dans lequel il y a la bouilloire, le café, etc. C'est notre petit coin boisson chaude. J'ai acheté ce joli pot en forme de citrouille l'année dernière chez Primark et dedans j'y mets des morceaux de sucre. Alors c'est pour les invités car ni mon mari ni moi n'aimons mettre du sucre dans nos cafés. Et sur la terrasse, comme vous pouvez le voir, il y a divers branchages qui m'attendent. J'aime décorer avec des éléments naturels et j'ai donc ramassé des branches dans mon jardin et autour de chez moi et avec je vais faire quelques bouquets. Pour chaque saison, j'aime bien accrocher à la porte du four un torchon qui rappelle la période. Et celui-ci vient de chez Chinerie Fleurie. C'est une créatrice talentueuse qui propose sur sa boutique des articles très sympas. Et comme toujours, je vous mettrai le lien en barre d'infos. De ce côté-ci, je vais simplement changer le mug en place. Donc celui avec les tournesols, il vient de chez Emma Bridgewater et le remplacer par celui-ci avec les rouges-gorges qui vient de la même boutique. Honnêtement, j'aurais pu laisser le mug avec les tournesols puisque ça convient parfaitement à ce début de l'automne, mais j'avais envie d'un petit peu de changement, c'est pour ça que j'ai mis le mug avec les rouges-gorges. Je vais changer également ce petit coin dans la cuisine. La lavande est complètement fanée, elle ne sent plus grand chose, donc il est temps de changer tout ça. Et à la place, j'ai confectionné ce bouquet que j'ai mis dans le même pot. Pour la petite touche automnale, je vais ajouter ces deux champignons. Je les avais trouvés il y a maintenant plusieurs années chez Action, je ne sais pas s'ils les font encore. Voilà, moi j'aime bien les utiliser chaque année. Sur ce rondin de bois, je vais mettre une boîte en céramique en forme de citrouille. Je l'avais trouvée il y a plusieurs années chez H&M. Ils ont de temps en temps de jolies décos d'automne, donc ça vaut toujours le coup d'aller faire un petit tour sur leur site. Et voilà le résultat. Je vais à présent changer l'illustration qui est dans le cadre accroché au mur. C'était la recette du cake au citron de Caro from Woodlands. Et à la place, j'ai mis ce joli renard qui vient lui aussi du calendrier que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Vous le savez, je suis une grosse gourmande, donc j'ai fait une mini pause pour manger ce chausson aux pommes. Il était vraiment délicieux, je l'avais fait juste réchauffer au four, c'était un délice. On va passer à présent à la touche finale puisque je vais décorer le dessus de notre vaisselier et pour cela j'ai acheté une grosse courge musquée au marché et deux petits potimarrons. Ils sont magnifiques et vous le savez, j'aime bien décorer avec des éléments naturels, pour moi c'est très important et je trouve qu'ils avaient vraiment cette couleur qui rappelle l'automne, donc ça sera parfait au dessus du vaisselier. How will I call?
Et voilà le résultat. Donc j'ai gardé les paniers, les deux petits pots à lait, et bien sûr j'ai mis plein de branchages différents, les courges, tout ça pour donner vraiment cet esprit automnal au vestiaire. Et franchement, je suis super contente du résultat. Je trouve que ça fait très joli. Vu que j'avais des branches dans les mains, je me suis dit bah, pourquoi pas en rajouter par ici, juste à côté du renard. À la dernière minute, j'ai aussi fait un petit changement de ce côté-ci. J'ai décidé de mettre notre moulin à café que j'avais trouvé au vide-grenier. Je trouve que ça fait sympa, un petit côté ancien, maison de famille, maison de campagne qui me plaît beaucoup. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end, surtout que dimanche c'est l'équinoxe d'automne. Donc voilà, on rentre officiellement dans cette jolie saison qui me plaît tant et je sais que vous êtes nombreuses sur la chaîne à l'apprécier tout autant. À très bientôt, ciao !